N'est pas content, nous, de traverser. Parce qu'on a Dieu avec nous. Et là où il y a Dieu, il y a toujours la victoire. C'est lui qui veut jouer à le matraquer. Vous n'avez pas dit vous aimez emmerder les gens. Vous avez eu votre totem. Celui qui va s'amuser, on va le matraquer. Je t'ai dit ça hier, monsieur. Je t'ai dit ça hier, sorcier tu es. Tu viens dans mon bureau, tu attends. Je t'ai dit ça hier. Si tu t'amuses, moi, je t'amuse. Je ne peux pas te m'amuser. Ici, là, je sauve les gens. Tu es sorti, tu es dans un tatoué, tu veux te faire, tu veux faire bon vent dans mon bureau. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Caram. Si tu t'amuses, je t'allume. Moi, je sauve tout le monde. Si tu n'es pas, d'accord, faut dire, je veux bien. On dit, ce que tu dis là, c'est faux. Sorti, vous voyez, ils ont fait, ils font arrêt cardiaque. Hein? Moi, il te donne cancer du cœur. Dis à quoi, prophète? Il te donne cancer du cœur. Cancer du cœur. Vous êtes là, vous gênez les gens et tout ça. Ici, là, on va doucement parce qu'on a envie d'aider tout le monde. On a envie même d'aider les sorciers, on a envie d'aider tout le monde. Mais quand tu rentres dans mon bureau, il ne faut pas me montrer que tu es fort. Non. Montrer que tu es fort. Il n'y a pas plus fort que Dieu. La question est crasseux. J'ai Dieu en moi. Et toi, tu es un petit bonhomme. Amen. On a envie d'aider tout le monde parce que nous avons tous besoin de Dieu. Que nous soyons sorciers ou pas, nous avons besoin de Dieu. Amen. Donc doucement, dis à quelqu'un doucement. Doucement. Alléluia. Amen. Quand vous venez ici, votre démon, donc allez doucement à vous. Maîtrisez-vous. Dites-vous que vous êtes à la brigade anti-mangeur d'âme. C'est votre brigade ici. Amen. Vous ne pouvez rien contre ici. Amen. Divo a essayé, ça n'a pas marché. Toute la région de Divo, ils ont envoyé quelqu'un spécialement ici, un enfant, qu'ils ont donné l'argent mystiquement. C'est ici qu'il a été terrassé. Pendant qu'il est prêché, il est tombé. Vous avez vu sa vidéo? Vous avez vu sa vidéo? Qu'elle est partie une semaine après la mort. Dieu, il m'a choisi. Je ne sais pas, misère, moi. Vous savez qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu mon père. Ils l'ont mangé. Sans s'arracher. Manger sorcier. Ils m'ont passé quoi? Ils ont pris mon frère. Ils l'ont mangé sauce grecque. Ils ont pris ma soeur. Mangé pour la lame. Mais ils m'ont attaqué. J'étais sur le point de mourir, ils m'ont séché. Brésé, en tant qu'ils ont préparé banane, mignon, pessi. Et Dieu m'a délivré. Amen. C'est lui qui est à côté, mon frère. Et lui, petit frère, lui, il jouait la chose, ils l'ont pris. Ils ont loupé le prophète, ils l'ont privé crasso. Jouait crasso, ils l'ont pris. Lui qui était derrière, ils l'ont mangé. Moi, je ne suis pas venu là. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? C'est pas parce que. J'ai envie de regarder sorcier. Dieu m'a appelé. J'ai vu les pasteurs qui disent, oh, le prophète il parle de sorcier. Il dit que Dieu m'a appelé à ça. Mais est-ce que toi-même la télé, tu as dit, moi il y avait Jésus, là n'a pas vu Jésus. Tu dis tu as appelé parce que tu as eu la conviction. C'est différent de toi et moi. Moi il y avait Jésus dans ma chambre. Et puis il m'a dit, je t'appelle. Toi et moi, il y a une différence. Faut que tu devant moi. Amen. Amen. Jésus dans la vie, le nom de Jésus-Christ dans la vie, moi je l'ai vu comme je suis en train de te voir. Donc toi et moi, là, l'expérience que j'ai vécu est que c'est pas de l'orgueil, donc faut pas m'agresser. Faut pas m'agresser, je suis pas sorcier. C'est ce qu'on appelle sorcellerie. On s'attribue le mot
sorcier à tout le monde. Non, parce que tu déterres Canary. Le problème, il est où? Il est où si moi, il m'a déterré Canary mystique? Le danger, c'est quoi? À quoi c'est mauvais? Non, Jésus n'a pas fait ça. Mais Jésus, il fait plus que Jésus. La Bible, il fait plus que Jésus. La Bible n'a pas fait comme Jésus. Amen. Amen. Jésus n'a pas fait comme lui. Il a dit, fais plus que moi. Ne fais plus que Jésus. Si je n'ai pas plus que Jésus, c'est que la prophétie de Christ ne s'accomplit pas dans ma vie. Jésus n'était pas à Galé-Gribo. Jésus n'était pas à Zaroko. Ni à Divo. Là où il y a la présence de la sorcellerie, Dieu se manifeste, Dieu donne les dons. Amen. Ah. Dieu m'a donné don. C'est vous qui pensez que le prophète, est-ce que tu ne peux pas sorcier? Ben, c'est sorcier qui voit sorcier. Depuis quand? Depuis quand? Nous, on m'attrape. Depuis la famille, quand Satan vient, il met une organisation en place, puis lui-même vient détruire ça. C'est lui, il est bête. Parce que Satan est plus intelligent. On l'appelle le malin. Il est plus intelligent, le malin. On l'appelle le malin. Nous, là, mon travail, c'est de détruire la présence de Satan. Amen. Donc, je ne suis pas satanique. Si ça se dépasse, c'est ce qu'on appelle le miracle. Donc, reste tranquille, tu ne connais pas quoi prendre. Je dis aux gens, si ça te dépasse, c'est ce qu'on appelle le miracle. Reste tranquille. Pour venir, approche-toi du prophète, il va t'enseigner. Parce que chaque homme de Dieu a son don. Pour rester tranquille. Si moi j'ai un don d'attraper son chiffre, pas ton problème. Chacun a son travail dans le ministère. Et puis moi j'ai fait ça avec beaucoup de passion. Je suis content parce que j'ai fait ça. Son chien a mangé mon papa bien. Ils ont croqué les os. Vous savez pas, je suis un homme révolté contre la sorcellerie. Si tu n'es pas révolté, tu ne feras rien dans ta vie. David est un homme révolté. Il vient donner à manger. C'est pas David qui devait tuer Goliath. C'est pas lui, c'est pas Pilate. Il ne rêvait même pas ça. Il envoie la nourriture, puis un salon en train d'insulter Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens tremblent. Ça. On dit, hey Joe, laisse-le insulter. Bah, il va finir par lui, par quand il est fini, puis ça va. Laisse-le, il sera fatigué. Il dit, non. Moi, mon Dieu, on ne l'insulte pas. Il est un homme très révolté. Il va voir le roi, il dit, il faut que moi j'arrive à détruire ce monsieur-là. Parce qu'il a fait ce qu'on ne veut pas faire. Moi je suis un homme révolté contre la sorcellerie. Ils ont dissimulé ma famille. Ils ont tué mon père. J'ai perdu ma mère très tôt. J'ai perdu tous mes proches. Où dit sorcellerie n'existe pas. Moi j'étais victime de la sorcellerie. Ils ont mangé mes poumons. Tout était fait. J'étais sur le point de mourir, puis Jésus m'a accordé la délivrance. C'est pour ça que je n'ai pas peur de ça, je crois à votre miracle. Peu importe la maladie dont tu souffres, moi je crois à ton miracle. Amen. Je m'en fous de ce qu'il a sur le déclare. Je m'en fiche. Que ça soit un cancer, que ça soit un chat, ça c'est le nom scientifique qu'on a donné à ta maladie. Mais Jésus peut te guérir. Amen. Je m'en fiche. Croyez la puissance de Dieu. Amen. Dieu m'a délivré. Les médecins ne pouvaient plus rien faire. Jésus m'a délivré. Et puis il m'a dit, bon, je t'appelle un travail. Je suis en train de faire ce travail. Donc si tu viens ici, tes sorcelleries guéris là, il faut aller doucement. Amen. Ici, la service à Dieu, ça dégage pas ici là.